She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Voilà, tant que tu connais, rencontre les gens. Avec la réalisatrice de ce film qui s'appelle Pas comme les autres. Alors Adia, tu te présenter et parle-nous de ton rôle un petit peu. Ok. Bah voilà, je joue le rôle de Jenna. C'est le rôle d'une jeune femme qui au début par le regard des gens n'assume pas son physique et sa façon d'être, sa façon de vivre plutôt. Et ensuite, au cours de l'histoire, commence à avoir plus de confiance en elle et elle avance à grands pas. Donc c'est une femme forte, dynamique et qui a de la motivation pour avancer et elle fait tout pour réussir, pour accomplir ses rêves, quoi. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes gens qui voudraient faire au métier du cinéma? Personnellement, je dirais, j'encouragerais les jeunes gens à faire du cinéma. On est bon. Au moins pour s'exprimer, à surmonter leurs peurs et tout. Donc, voilà quoi. D'accord. Un bon tournage. Merci. Pourquoi tu boudes? Tu me fais penser quand tu étais toute petite, quand tu étais avec tes parents. Tu étais toute mignonne avec tes petites côtes. Maintenant que je te regarde, tu as tellement grandi. Tu es devenue une femme. C'est bon, hein? Ça va là. C'est parfait, vous inquiétez pas. Elle était dedans là. Action. Pourquoi là? T'inquiète, je viens de la voir, elle arrive, elle est vers la pharmacie. C'est pas elle là? Merde, t'es toujours en retard. Ça va, c'est bon, on dirait que vous êtes jamais en retard, vous me saoulez à la fin. Mais il faut quoi là? T'inquiète, elle arrive, je viens de la voir, elle est vers la pharmacie. Ouais, c'est pas elle là? T'es toujours en retard. Ça va, c'est bon, on dirait que vous êtes jamais en retard, vous me saoulez à la fin. Non, c'est bon, on y va là. En fait, on va où là? On accompagne Cynthia à Kwacha, elle va acheter quelque chose. Donc, en gros, on va repasser devant tous ces gamins. Tu parles de qui, là? On va la faire comme dans la choc. On va la faire tout. Si on se trompe, on se trompe. Et on va la refaire jusqu'à ce qu'on arrive. Ne blablatez pas. Ouais. Pas de blabla. Vas-y. Voilà, tu restes là. Diana, excuse-moi. Elle te teste. Comment ça, elle me teste? Elle veut savoir si tu l'aimes. Mais vas-y, ça fait un an qu'on est ensemble. Tu l'aimes? Ouais. Tu l'as déjà dit? Non. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je l'appelle? Alors là, non, surtout pas. Comment tu vas la voir, tu vas lui dire que tu l'aimes. Je peux pas faire ça. Si tu veux pas. Tu vas la perdre. Bonjour Sadio, une petite interview. Oui, Alors voilà, présentez-vous.
Et dites-nous, vous faites quoi dans le film? Avec Héro dans le film? Écoutez, moi, je joue le rôle d'un tia, un garçon bête. Que souhaitez-vous au film? Moi, j'avais tard, c'est le chef. Ben, un bon déroulement et que... Ça module, mais t'entends pas. Qu'il y ait un succès et qu'il puisse délivrer un message fort. D'accord. Qui veut dire que malgré les apparences... Malgré les apparences. C'est bien ça. Il fait des tours autour d'elle. Enlève le zoom. Timidement, il hésite. Il s'approche d'elle. Soudain, Jenna le remarque et complètement sous le charme, le temps s'arrête. Zoom sur le tien. Jenna sourit. Il s'approche en ralenti timidement. Tu fais des allers-retours. Il est sous le charme. C'est le méga coup de foudre. Jenna, soudainement, est fatiguée et va s'asseoir. Et le jeune homme vient la voir. Là, je vais en serrer. Un plan serré jusqu'à... Encore plus serré. Que là, c'est les émotions. Hein. Les deux jeunes font connaissance. Jenna et Ismaël partent s'isoler pour parler. Et après leur discussion, Ismaël propose à Jenna d'aller danser. Moi, dans la vie réelle, je suis Serge. J'aime bien les plats comme le maffé, le gruyère et le choucroute. Et... Je joue le rôle de Jason. Alors Jason qui est un peu un mec déjanté. Et j'aime bien aussi la loco et les bananes brasées, et le poulet et les poissons. Ici, c'est mon premier rôle comique. C'est mon premier rôle comique que je vais interpréter. J'aime bien aussi quoi? J'aime bien jouer au foot. J'aime bien nager, même si je ne sais pas nager. Et cette chance, j'aimerais la partager avec beaucoup de personnes, même si on est peu sur le film. Mais comme on dit, chaque chose a son temps, et moi c'est un moment agréable. Yeah, bon, moi c'est Jason. Donc okay. On a besoin mais... Jason. Ok, bon. Pour les répétitions. Alors, tu sens quelle année il est né, Tupac? Tupac Shakur, tu sens quelle année il est né? Hein? Dis-moi, tu sais en quelle année? Toi. Tu sais pas? Je vais vous montrer quelque chose qui va vous marquer à jamais. Ce canapé a été fabriqué en 1975. 100 millions de dollars, juste ces trois coussins. Et le canapé en lui-même, il coûte 400 millions. Alors l'étiquette toilette a été réalisée par le plus grand styliste Dior, Yves Saint Laurent d'Arty. Ce monsieur nous vient tout droit de la Corée. Il a bossé aux États-Unis avec les plus grands. Et aujourd'hui, il est là pour parmi nous, pour montrer ce qu'il sait faire un peu. Nous avons fait venir cette machine de LA. En fait, elle nous a coûté 1 million de dollars. Alors Philippe Suarez, qui nous vient du sud de Manhattan, qui est un réalisateur aussi.
Philippe qui a un cachet d'à peu près 3 millions d'euros par minute. Alors cette barre de fer a été usinée en Sud-Corée. C'est de l'argent, hein. C'est pas du toc. On bosse pas avec du toc. Non. Alors cette barre de fer nous a coûté au moins 16 000 euros. Ici nous sommes dans les rues de New York. Maraki Junior qui est ici, Maraki Junior qui est en train de bosser. Alors Maraki Junior qui vient de Los Angeles, il est venu spécialement pour bosser. Alors son cachet, Maraki Junior, il touche 160 000 euros une heure. Adja, la réalisatrice actrice de ce film. Alors Adja, qui a bien sûr des milliards et des milliards sur son compte. Mais Adja qui paye ses comédiens. Hein. Ouais. Alors Julien Renouchi. Qui vient de Washington. Yeah. Il est arrivé hier avec son jet privé. Donc son cachet, c'est 1 milliard d'euros chaque heure. Ok. Ici, nous avons la comédienne la plus chère payée de tout le tournage. Alors la comédienne qui va toucher 18 milliards par ce film. Eh, mais dis donc, 18 milliards par ce film. Donc voilà. Bon, donc, merci. Au revoir. Merci. Merci. Donc Samia qui lui reproche le retard et elles sont en train de finir leur de parler. Donc qui a un petit besoin d'ennemi, tu vois. Donc du coup je pense que ça sera intéressant. Puisqu'on est tous ensemble là, enfin tous ceux qui vont jouer cette séquence là, on puisse trouver quelque chose avant que tu arrives. Qui puisse voir un petit peu qui est forte, qui est moins forte, qui est plus timide, qui tout d'accord pour qu'on essaye des choses. Et par contre, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est donc en gros, on va repasser devant ces gamins. C'est le plus important. Nous avons Rafa là-bas qui a un peu fait en sorte que nous ayons ce décor-ci. Est-ce qu'on peut éteindre celui-là pour voir? Ça le fait, hein, lumière, regarde. Voilà. Tu le laisses éteindre. Alors voilà les derniers réglages avant le tournage du film, pas comme les autres. Alors ça c'est Philippe qui aide à la caméra. Voilà un autre Julien pour le son. Ça tourne. Annonce. Pas comme les autres, séquence 10, caméra portée, gros plan, prise 2. La caméra. C'est bon Philippe ? Ouais, quand tu veux. Action. La focale, c'est un truc qui est très important. C'est ce qui permet de raconter là, d'une certaine manière l'histoire par l'image. Quoi. En mettant l'accent par exemple sur quelque chose de clair, c'est par rapport à quelque chose de flou. Voilà. Et bah pour ça, c'est de la manœuvre. Et voilà comment ça marche le travelling de signes. Alors ça consiste à en mettre des barres sur le plateau de tournage. Il y a un plateau où on va mettre la caméra. Action!
aussi l'équipement d'une Steadicam. Alors, c'est à la base avec une caméra et comme un écran. Donc, Mayaki Junior. Mayaki Junior. Excusez-nous, qu'avez-vous à dire aujourd'hui ? En fait, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'on devait commencer le PAT, qui veut dire prêt à tourner. C'était prévu à 19h. Nous sommes en retard. Annonce. Pas comme les autres, séquence 11, cam sub hoche, prise 2. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon ? Cadré ? Oui. Pareil. Action. Et en même temps, en tant que chéri de production, je vois que mes comédiens sont à l'heure, mais on est en retard. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, c'était Amine en direct de cinéma. She's a lady. She's a lady, talking about that little lady, and the lady is mine, but she's never in the way, always something nice to say.